il va dans l'eau. Il va. Il va. Il s'éteint. Du coup, il fait nuit tout le temps. En fait, c'est la mer, elle monte. Ah oui. Et le soleil, il est caché. Depuis qu'il a un t-shirt le week-end, il est fier comme si il tenait un bar tabac, le gamin, là. Hein? Elle se fout de ma gueule. Il est trop content, il a fait du GPR, on a réussi. Regardez, il y a des voitures qui roulent, mais vraiment presque carrément dans l'eau, là. Ça fait 50 balles? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un spécimen très très rare qui se cache dans la forêt. Allez, suivez-moi. On va tous mourir. Il s'appelle le troll Roger, vous le savez ça? Il se cache dans les forêts du Danemark. Chut, doucement, tu vas le réveiller sinon. Regarde, on peut l'apercevoir. On dirait que sa barbe, c'est des bouts de bois. Mais non, c'est des vrais poils. Bon, je vous rassure, c'est pas des vrais poils. Il vous a dit des bêtises, le reporter, là. Non, en fait, sa barbe, c'est des branches. Et Vinciane, elle disait, il a entièrement été fait avec de la... C'est une œuvre de... Ouais, mais il y a des gens. Ah non, il y a... Ouais. Si, je pourrais... il a été fait entièrement en bois de récup, recyclé, ouais. De recyclé. Voilà. Donc, très bien. Si, on va filmer la pierre, on va aller voir ça. Puis Capucine joue sur les pierres. Ah ouais, Thomas... Thomas dans... Dumbo. Dumbo. Ouais, très bien. Regardez-moi-le. Depuis qu'il a un t-shirt le Vicard, il est fier comme si il tenait un bar tabac, le gamin, là. Hein? Regarde-moi ça. On voit pas le Vicard. Donc tu mets ta veste de ce côté-là, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est beau gamin, ça. Regardez, gars. Oh, tu es beau gamin. Le sourire. Une petite photo, mon fils. Le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Bah, rien. Tout va bien? Ouais, ah bon? D'accord. Bon, bah alors, si ça va, ça va. Ça va, ça va. On est déjà revenu au camion. Il est où le camion? Il est où le camion? Non, il est caché derrière le machin. Et là, on va à la tour. À la tour de contrôle. On va voir la vue. Il y en a même qui nous ont dit qu'on pouvait aller voir jusqu'à la mer. On va voir la mer. Allez, ça y est, on arrive tout en haut de la tour. Il y a du vent. Voilà. C'est normal, on est en hauteur et on n'est plus protégé des arbres. Sur le spot, on n'a pas de vent. Mais là, il y a du vent. Je fais une petite prise de vue. La balade dans la forêt était trop courte, hein? Ouais. Oh, c'est déjà fini, oh, c'est trop nul. Du coup, on a dit, bon, bah, non, c'est comment c'est arrivé? Il dit, ouais, bah, demain on fera les courses. Bah, attends, ça se trouve, il y a dans la ville ouais, d'à côté, il y a ce qu'il faut. La ville était si grande. Ouais, et puis là, il y a un Aldi et il y a un Facta, une ancienne grouge, là. Donc, on va aller voir, on n'a jamais encore fait de vrais magasins en Autriche. Toi, t'as été au Lidl? Non, non, quand on a été. J'ai dit quoi? Au Danemark, j'y arrive pas. Ah, non, moi non plus, c'est bizarre. Mais moi, je suis perdu, moi. Ça va trop vite. Les sortir les capitales là et tout là, c'est. Je suis paumé. Moi, faut. Pas la capitale du Danemark, moi. Copenhague. J'arrive à m'en sortir à peu près. C'est quand on est dans le camion avec la carte. Là, tac, 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 t'arrives à voir et tout ça. Tu dis ah ouais, on a fait ça. Mais là, de tête, les noms des villes et tout. Ouais, non, c'est vrai que nom des villes est pas facile à retenir. Allez zou, on y va, parce qu'il y a du vent là, je suis désolé, ça souffle. Bah non, je pense que... Tu comptes vendre GG et acheter une maison ici? Non, je regardais le prix de l'immobilier. Ouais. Et ça pour moi c'est 395 000 couronnes. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que c'est de la location? Parce que c'est pas cher. En fait celle-là, là, une maison de 128 mètres carrés,
Ça fait qu'elle serait à 113 000 euros. Celle-là ? Ouais. Ou sinon, c'est un loyer. Mais non, bah non, un loyer, ce serait pas logique. Parce que même un loyer, ça... Mais non, un loyer, ça ferait 875 couronnes. Ça ferait 117 euros par mois. Imagine-toi. Non, ouais, en fait, les logements sont pas si chers, c'est ça, par rapport au... Au prix, au coût de la vie ? Au coût de la vie. Il y a la petite maison, là, 185 000, là, je crois que ça fait du 39 000 euros. Alors après, attention, il y a peut-être des frais qui s'y rajoutent. Hein. Ouais. Non, là, ça fait 25 000 euros, ça. Pas cher, en effet. C'est chelou. Ah, c'est peut-être un viager. Ah, ouais, tu crois ? Bizarre. Je sais pas comment, ça se trouve, il y a des systèmes de loyers par la suite. Bah ouais, je sais pas comment ça fonctionne. On va essayer de chercher tout ça, ouais. On va voir. Ou si vous avez des informations plus que nous. Ah vas-y, prix du propriétaire en fait, par mois. C'est ça, c'est il y a une c'est des locations. Premier versement. Ah. Et le prix du propriétaire par mois. Donc il y a 25 000 qui doivent s'y rajouter, je crois. D'accord. Donc en fait, c'est 185 000 plus 25 000. D'accord. Mais bon, ça fait pas si cher que ça. Hein. C'est chiant, ouais, de belles petites cabanes quand même. Quand vous ça. Ça y est, on est dans notre magasin FAC. On est au FAC. On a essayé un FAC juste avant le Aldi là. Voilà, un concombre danois qui est à 13. 13 non, et on il n'est pas à 13, je te dis, c'est ça. Ah, il est à 1 euro et quelques, ça va encore. Ça va, c'est pas cher. J'en prends deux. Bah ouais, parce que. Mince, comment. Bah, soir, Mario et Patricia nous avaient dit 3 euros. Oh non, c'était en Norvège, je crois. Ouais, faut en prendre deux. Ouais. Deux, et puis ouais, trop bien, nickel. Il y a des tomates. Chez toi il nous faut des oignons aussi. Ouais, des oignons. Donc le Nescafé, ici, il est à 10 euros. Hein, c'est ça? Bah oui. Ouais, 10 euros. 10 euros. Bah, ouais, avec 60, ouais, ça fait 7,40. Bah, c'est plus de 10 euros. 6 balles, je crois. En fait. Bon, allez, on continue. Maintenant, le lait, non? C'était quoi aussi que mais non, mais le lait. Ouais, le lait, vas-y, le on va lait, parler. De match. Du vert, du bleu. Bah oui, mais normalement c'est blanc le lait. Il n'y a pas de lait blanc. Mais oui, mais l'emballage. Le foncé, marron. Ouais, bah on va prendre du. Bah du blanc. 8, ça fait un peu plus d'un euro. Ça fait 8, ça fait un peu plus d'un euro. En fait, c'est pas si cher que ça le lait. Parce que le lait chez nous, pareil, hein, il est un petit peu plus d'un euro. Hein. Ouais, il a 1 euro. Ouais. 1,10€. Allez, on va prendre du lait blanc. Nous avons une mauvaise nouvelle. Capucine, tu as une mauvaise nouvelle à annoncer aux abonnés. Il n'y a plus de cabine téléphonique. Capucine avait pris comme habitude. On peut traverser, on va traverser là. Capucine avait pris comme habitude, de tester toutes les cabines téléphoniques de l'étranger. Hein ? Et là, on ne voit pas une seule cabine téléphonique au Danemark. Si on en a vu une la dernière fois, elle dit oh, trop bien une cabine téléphonique. C'était au bord de route et en fait, c'était un téléphone de secours. Il dit non, c'est pas pour ça. Donc du coup, on est désolé. Il n'y aura pas de test de cabine téléphonique. Tant mieux pour ceux qui disaient que c'était des microbes et qu'il fallait surtout pas toucher. Oh, bon allez, on arrête. Bon, ça y est, on a fait nos courses éco-responsables. 0% carbone. Vous avez vu, à l'Ovicar, on fait choses bien. On poste les colis zéro carbone, on va faire les courses zéro carbone. Et bah, y avait les abonnés qui étaient là, j'ai dit oh mince, ils sont, quand on est arrivé, ils étaient plus là, je dis, oh non mince, on est triste. Ils nous ont laissé un petit mot, trop bien, c'est gentil. Bah bisous à vous, hein, vous allez vous reconnaître. Hein. Voilà, allez, tchuss. Bah tchuss. Bah non, oui, c'est bon, c'est vrai, nous on va ranger les courses et puis voilà, ça est fini, ouais, voilà, nickel. Mais on est tout seul maintenant. Bon, on a repris la route et regardez ce qu'il y a sur regardez ce qu'il y a sur le bord de la route. Les fameuses cabanes qu'on vous parlait. Je vais me mettre en warning quand même. C'est chiant, c'est qu'il y a pas. Je suis obligé de me garer un peu les roues dans le dur et un peu les roues dans le. Ouais. Donc ouais. Et bah on va aller voir ça. Elle a une caméra par contre. Elle a une caméra? Ouais, je pense. Une caméra. Ah oui, il y a un logo de caméra. Bon, on va aller voir ça. C'est bon, j'ai de la monnaie. Attention, il y a une voiture qui arrive. On va attendre un petit peu. Allez, c'est bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Trop bien. Ouais, nickel. Allez, hop, on va voir. Déjà, moi, je vais prendre des oignons. Oh, trop bien. Ouais, c'est ça, c'est des oranges. Oh, de la confiture de fraises. Ouh, trop bien. Oh, des patates. 20 couronnes. 20 couronnes, je vais voir. Ça, et puis... Il y a encore des patates ici.
D'accord, donc ça c'est patate 1,5 kg. Et ça c'est... encore des pommes de terre, les plus petites. D'accord, bon voilà, voilà, puis c'est ça que je vous expliquais. On met les sous là-dedans et puis terminé. 35, ouais, faut que je voye. Je vais voir avec Vinciane ce qu'il y a. Très bien, du persil, ça gère. Allez, je vais voir avec Vinciane ce que je prends. Oh là là, on vient de voir un camtar là, des Suisses, il était trop beau. J'ai même pas eu le temps de sortir la caméra avant. Alors voilà mon fifis, je te présente le marché. Bonjour. Bonjour. Donc ouais, voilà, on va prendre des patates. Je t'ai pris de la confiture de fraises. Tu traduis? C'est exactement ça, voilà. Du coup, on en a pour... je t'ai recherché le porte-monnaie parce que c'est juste quand même. Et du coup, on en a pour Mobile Play. Ah non, mais on peut payer là-dedans. Ouais, on va payer dans, le, dans la petite machin. J'en ai pour 100, 105 normalement. J'ai... voilà, nickel, ça gère, trop bien. Donc, le garagiste là, trop bien. Allez, hop, zou. Merci Mario, merci Patricia de nous avoir indiqué qu'il y avait ça. En même temps, on les a pas loupés, on voit que ça. Il y en a beaucoup, tous les particuliers. Là, c'est une ferme en face, je pense. Ils ont leur, leur petite production. Nickel, ça gère. Allez, reprise de la route ce matin sous un beau soleil danois. Enfin bon, il y a des nuages, mais tout à l'heure il n'y en avait pas. Soleil et de la chaleur. Et de la chaleur. 17. Ouais. 17, c'est pas 7. Rien. Donc voilà, on va, on continue à aller en bord de mer. Voilà, voilà, c'est la mer, mais vous savez, il y a beaucoup d'îles au niveau du haut du Danemark. Donc là en fait il y a des terres en face et tout ça c'est... Est-ce qu'ils appellent ça des fjords? Ouais, je pense que c'est des fjords qu'ils appellent ça. Donc, c'est la mer qui rentre dans la terre. C'est en fait c'est des anciennes vallées qui avant étaient de la glace et maintenant c'est de l'eau. Donc voilà, on voit bien la terre qui est en face, mais là normalement on va en bord de mer je crois. Normalement. On devrait rouler sur la plage. Voilà. Normalement. J'ai regardé une vidéo de Justin Van Collen et lui il a roulé dans la plage, dans l'eau et tout avec le 4x4. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait 20 km de plage accessible pour les voitures, les camping-cars. Et on va voir si GG peut rouler sur la plage. Voilà. Ils disent qu'il faut y aller, sur le routard, ils disent qu'il faut y aller de... quand il fait beau temps. Il voilà. Fait beau temps, fait donc beau on temps. Va essayer, on va voir. À Loken, petit village, enfin ville d'ailleurs, hein. Ouais, c'est une ville assez sympa, assez récente, ouais, on est dans une cité pavillonnaire, mais bon. Je sais pas pourquoi il me fait passer par là. Ouais, c'est un... on va voir, mais impression, un peu un cul-de-sac quand même. Ouais. On se disait bien que le GPS c'était pas ça, il nous emmène dans une voie piétonne. Non, mais il dit tout droit. Là. Il dit tout droit, mais bah non. Enfin, c'est une zone piétonne, mais après on peut rouler, mais ouais, pas pratique. Du coup, c'est encore pire parce qu'on se retrouve en plein milieu d'un. Et derrière, il y avait une espèce de, enfin pas d'étal, mais les magasins, ils ont ouvert leur leur store, tout ça, c'est encore pire en pire. On va trouver un autre accès à la plage parce que là, ça devient de plus en plus compliqué, plus étroit. Tellement en bord de mer que c'est du sable dans la rue, même dans les cours et tout ça. Ouais. Et nous on va se retrouver dans, le, dans la plage ou quoi. Ouais, et là la route, ouais, c'est ça, elle mène à la plage. Regardez ça. Et là on est sur la plage. Et là on est sur la plage. On est sur la plage ou pas là. Wow, c'est space quand même, hein. On va voir, ça descend bien quand même, hein. Il n'y a pas intérêt à se rater. Hein. Ouais, bah, il y a des parkings là-bas, hein. Ouais, il y a du monde, hein. Mais... ouais, on va voir. Ouais, il y a du monde là-bas.
Bon, c'est bon. On roule sur la plage. On roule sur la plage. C'est assez stable. Le déçu, c'est que la grande route, elle est derrière. En fait, ouais. Je veux pas prendre du risque, je vais... Ouais, on va faire les petits joueurs, on va rester... On n'a pas de faux 4x4 pour nous sortir de là, si... Ouais, Yo-Yo, il est pas là. Ouais. Là, là. En tout cas, la vue, superbe. Bon, bah désolé, il y a du vent, mais on est sur la plage. Alors les rageux, vous pouvez zapper. Il y en aura pour 2 minutes, voilà. Vous faites zapper là 2 minutes et puis ce sera bon, hein. Regardez, on est sur la plage. Voilà, nickel. Ou après, je peux attendre de faire le rush quand il y aura plus de vent, c'est-à-dire jamais. Et regardez, il y a un camion là-bas. Des conteneurs sur un plateau, trop bizarre. On se demande si c'est pas un camion aménagé quand même. Ça gère. On va le fouler. On va aller voir ça. Bon, je me suis déjà renseigné. L'Allemand, il dit qu'il dort pas ici. Donc, je sais pas si on va avoir le droit de dormir ici. Voilà, voilà. Suspense. Ouais, donc c'est bien ça, mon fils. Hein. T'as vu comment il est dard, le camion, là? Ah, oui. Scania, trop fort. En fait, c'est un conteneur et ils l'ont aménagé. Trop fort, ça gère. Le top. Eh ben dis, il y a du gros hein, sur la plage. Hein. Il est beau le Scania, n'empêche. Ça, c'est un gamin malheureux, ça. Hein, tu manges devant ça comme vue. C'est pas trop mal, hein. Devant ça. Devant ça, ouais. C'est le top, toi. Ça gère. Comme ça, tu vois, c'est pas du déballage. On sort pas les tables et tout ça, on arrive à manger face à la mer. Moi, hop, j'ai mis mes petits coffres. Comme ça, c'est pas considéré comme du camping. Et on arrive à manger dehors. C'est bien. Ça va, toi, là-bas? Ouais, tu vas me croquer les couilles, je vais voir si l'eau, elle est bonne. Si l'eau, elle est bonne. Ouais. Allez, vas-y, cours. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Elle est fraîche, hein. Ouais, elle est fraîche, hein. Bah oh, c'est la mer du Nord, hein. Bon bah du coup on bouge, hein, parce que bah on sait pas vraiment si on a vraiment le droit de dormir ici. Et il n'y a pas de réseau pour la vidéo de ce soir. Donc on va mettre les voiles et puis bon, faut pas dire, ouais, y a pas un si beau temps que ça, il y a du vent et tout ça, donc bon, tant pis, c'est comme ça. Et je sais pas si on va pouvoir ressortir. Non, je rigole. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Voilà. Yo-Yo, il m'a dit, ça sert à rien de mettre des cales pour caler le camion. Ce que tu peux faire, c'est faire un trou. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Est-ce que c'est judicieux de faire un trou sur la plage, hein? Je sais pas. On s'en fout, on ira voir le Scania là-bas. Il va nous tirer, hein? Mais non, ça va le faire. Hey, j'ai des pneus neige, hein, y a pas de raison. Hein. J'ai une sensation d'angoisse en fait. Plus on se rapproche, en fait on a pris la direction pour rouler sur la plage là, vraiment, parce qu'il y a une route là qui fait tout le long. On vient de croiser un camping-car, donc bon, ça devrait le faire, mais plus j'avance, plus c'est angoissant. Non, tu t'angoisses pas? Non. C'est bien dur. Là, il y a la noeud qui fait là-bas, regarde. Je suis un petit peu soulagé. Je m'attendais à que ce soit moins plus gai, plus stressant. Ouais, c'est ça, regarde. Il y a des gens là-bas, regarde. La route, elle continue là-bas. Ouais, ouais. Il y a des panneaux de. Ah,
c'est flippant. Hein ? Ah, c'est hallucinant quand même. Regardez, il y a des voitures qui roulent mais vraiment presque carrément dans l'eau là. Là, ils sont pas loin de l'eau, de la flotte quoi, c'est chiant. Ouais. Le délire. Ouais, c'est ça. Et on va prendre cette direction là, on va voir. On va voir. Je sais pas si on peut dormir là cette nuit, on va voir, on va se renseigner aussi. Là, on va voir aussi s'il y a du réseau surtout. Ouais, trop fort, une vraie autoroute. Tout le monde vient là. Ça gère, n'empêche. Kilomètre-heure, ouais. Justin Van Collen, il a dit il faut du couple. Il y a une vitesse en moins pour avoir du couple. Pas vite, mais il faut du couple. Ouais, faut pas que tu sois en sous-régime. Ouais. Bon, il n'y a pas de raison, c'est bien stabilisé. Par contre, il y a des petites bosses et tout ça quand même. Ouais. Ouais. Oh là là. Regarde, c'est dur. Oui, non, c'est dur. J'ai dans le sable. J'ai sur la plage même. Eh hey, mon yo-yo, je rigole pas là, t'es pas là alors. Je crâne pas. Là. Ouais. Voilà, c'est stressant de ouf. Qu'on allait pouvoir sortir là entre les deux dunes, oui, mais il y a un pont et le pont il est tout petit. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas de poids, il est pas large déjà. Ouais, il n'y a pas de limite de poids, mais je suis même pas sûre qu'au niveau largeur on passe. Hein. Voilà. Allez, demi-tour, impeccable. Moi, c'est reparti dans l'autre sens, ouais. Alors, quand c'est blanc comme ça, c'est sec, c'est et pas bon. C'est pas bon. Faut faire attention, c'est pour ça que Loïc il accélère un peu parce que. Là, il faut du couple, il faut de la gauche. Il faut de la gauche pour pas rester trop longtemps dedans, voilà. Ah putain, c'est stressant, j'ai la poitrine qui se prend là. Bah pourtant... Après, qu'est-ce qui tue qui nous arrive, hein, on s'enlise. Ouais, on s'enlise, on s'ensable et puis c'est... ça, mais bon, la route, à mon avis, il n'est pas les premiers à passer dessus, vu que c'est une route, hein, de toute façon. Et donc, il n'y a pas de raison. Ouais. Petit passage délicat ici, avec des ornières. Ici. Ouais, en effet, puis il y a une voiture, donc c'est assez profond. Ah non, il passe de l'autre côté. Ah ouais, ça a tiré quand même. Ouais. Tu l'as senti, toi ? Sentais que ça... Il avait du mal à... Putain, j'ai essayé d'accélérer un peu. Là aussi, là, mais bon, il y avait la voiture. Ouais. Là, tu le sens qui tire un peu. Bah, en fait, il y a du sable fin et sec qui s'est mis par-dessus, donc... Il sèche, en fait. Ouais. Ah là là. Non, allez, c'est tout bon ça là va maintenant. Encore, là, ouais, maintenant c'est bon. Non, ça y est, Loïc et GG ont fini de jouer. Loïc et GG. Attends, pour passer la portion là-bas. Oui, attends, c'est vrai qu'il faut passer la portion là-bas de. On va pas rester enlisé en plein milieu de tout. En sablé, pardon. Regarde ce qu'il y a à passer. Ouais, c'est vrai que c'est. GG, allez, bon, regarde, là c'est bien tassé là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si. Bien, tu sens pas comment il. Oui, on sent, mais bon, ça va encore. Et hop, ça y est là. Ah là là. Impeccable. Bon, c'est bon, t'as eu ta dose d'adrénaline? Ouais, ça fait du bien quand même. Quand ça s'arrête. Ouais, ah là là. Bon, bah du coup, on reprend la route, la vraie. Bon, bah, voilà, ça y est, on aura fait enfin les plages danoises. Rouler sur les plages danoises. C'est à cause de Justin et Bill, ça.
Ouais, Justine NB, ouais. NB, ouais. Oh là parce là. Que c'est eux qui m'ont donné envie. Voilà. De passer, C'est de leur faute. Hein, c'est de leur faute. Enfin, ouais, ils sont mieux équipés que nous. Oui. C'est pas faux. Elle se fout de ma gueule. Il est trop content, il a fait du GPR, on a réussi. On a réussi, ça fait. Ouais, il a pour 370 couronnes. Ça fait 50 balles. Bah, si, mais non, c'est pas possible. C'est une station, c'est pas de l'or qui coule deux le machin. Euros, les deux GPL. Et bah, oui, en fait, 15 couronnes, ouais, c'est il arrive. Il arrive, il m'attend pour payer. Non, bah on reprend après. Ouais, yeah, t'as payé ? Ouais. Ça fait cher quand même. Ouais. Ça fait cher quand même, mais on a gagné quand même de l'argent parce que au début, je trouve comment on trouvait pas de GPL, ça fait 3 jours là que qu'on dit oula, ça serait bien de trouver du GPL quand même parce que normalement on fait un mois. Mais bon, c'est bien d'anticiper un peu, quoi. Enfin, voilà. Et bah, on a bien fait parce que là, ici, ils en faisaient. Et je me suis renseigné pour acheter les bouteilles plus les raccords. Alors, les raccords, c'est les mêmes que l'Espagne. Donc, ça, j'en avais, ça. Mais le détendeur, je ne sais pas s'il fallait le rajouter ou pas. Enfin, bref. Et en fait, la consigne, c'est 735 couronnes. La bouteille ouais, de 13 litres. Ça fait 80-90 balles quoi. 90 balles la bouteille de gaz. Donc en fait, on a quand même gagné notre argent de, ouais. De faire le plein ici. Mais bah, c'est con. Bah, c'est bon à savoir. Partez avec le plein de vos bouteilles de gaz. Ah bah alors, vous allez sur les forums. Je les ai fait les forums. Tous les forums, ils disent vous partez combien de temps? On part 2 mois, machin. Ah bah, vous avez largement. Si vous partez avec 2-13 kilos, vous avez largement assez. Bah ouais, ok, pas de problème, on a largement assez. Sauf que nous, ça fait 2 mois qu'on. Enfin, on prévoit de faire 2 mois le Danemark. Sauf qu'elle est tombée en panne au moment où on est rentré. Ah ouais, mais quoi, 2-3 jours après. Thunder. Thunder. Thunder, ouais. Donc évidemment. Donc, en fait, bah, on aurait dû finir de la vider, la remplir avant, quoi. J'ai hésité. Ouais, on le problème, c'est que nous, on remplit au GPL, vous savez, on remplit avec. Comme ouais. Une voiture, quoi. Et on a pas la quantité, en fait. C'est pas une. C'est pas donc, un tank. Ouais. Bon, bah voilà, ça c'est fait, c'est bon, on a le plein. On a le plein, donc on est autonome 2 mois. Enfin, un petit mois. Un mois, là, ouais, un mois et demi, on va dire. Ouais, ouais donc là, déjà, donc, ça devrait mais, être. Bon. Ouais. Donc en fait, la solution de acheter une bouteille, le détendeur et tout ça. Ici, c'est pas. Ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Quitte à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller. revenir ici. Ouais. Allez, enfin bon. On reprend la route. Ça roule, allez-y. On est en train de se faire envahir par des Islandais. Ils vont tous en Islande. Oh, le gros camion à côté. Ouais, et là, où, ouais, le gros camion à côté. Puis là, il y a des Anglais, il y a un Unimog là aussi, pareil. C'est sympa aussi, hein. Ouais. Donc, ouais, c'est clair. Ils ont tous des gros 4x4 énormes là. Il y a un gros camion là, et puis un petit van à côté. Ils vont en Islande aussi. Et vous aussi, vous allez en Islande? Non. Ouais. Non, je sais pas combien c'est pour traverser l'Islande. Je sais pas. Ouais. Non, pardon. Ouais, donc ouais. À mon avis, ça doit pas être donné. Puis l'Islande, il commence à faire froid. Oh, ouais, ouais, non, ouais. On n'a pas le temps, nous. Non, non, non faut qu'on rentre. Non, on va se concentrer sur le sud. Hein. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, bah, nouveau spot, tranquille. 4 places de parking, 3 Français. Impeccable. Bon, bah, petite balade du soir. Hein. Mieux qu'une partie de l'Egretto. C'est une petite balade. Ah, bah oui, bah, Nestor. Ah oui, on a regardé. Je pense que c'est à gauche. Oh, les mouches. Regardez les biquettes. Oui, Nestor, il est content, les biquettes. Ouais, un film pour. Ouais, on a commencé à se regarder un film, là. Je sais plus, c'est des crocodiles, je sais pas quoi, là. Ouais. Donc, voilà, film français. Le crocodile de Botanga. Le crocodile de Botanga. On n'a pas accroché, ça a du mal à démarrer. C'est le marrant au début, ça fait l'accent, mais là après, c'est lourd. Donc du coup, on s'est dit, allez, coucher de soleil. Qui dit coucher de soleil, dit plage. Qui dit plage, dit coucher de soleil. Qui dit soir, dit... Bref, direction, le coucher de soleil sur la plage. Je sais pas, il y a des nuages, mais on va voir. On va tenter au moins. Ouais, c'est joli, hein. On arrive sur le chemin, on n'est pas loin. Et on voit déjà la mer, franchement. Le coucher de soleil, il va falloir attendre. On est peut-être un petit peu là trop tôt. Ouais, il est encore vachement haut quand même. Oui, il y a bien encore une heure, hein. Ouais, bon.
On fait un circuit de voiture. Oh là 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 là. De l'étaquiller. Voilà, voilà comment on s'occupe à la Lovicar. Allez, à vous là. Prêt ? Voilà. Voilà, vas-y. Oh, il va où ton machin ? Là, ici. Arthur, il a pas vu la fumée quand le soleil il est. Quand le soleil il est tombé dans la. Il pense que le soleil. Il sait s'il va dans l'eau. S'il va dans l'eau, il va. Il s'éteint, du coup il fait nuit tout le temps. En fait, c'est la mer, elle monte. Ah oui. Et le soleil, il est caché. D'accord. D'accord, il est sérieux lui. Et moi, je vais encore me prendre des remarques. Ah. Ouais, on a fait de l'école, ouais. T'es contente, toi? Ouais. Et ouais. 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 On a appris comment courir. Et je trouve, je me débrouille super bien. Regarde. Ah oui, ils font EPS en ce moment. Il y va! Il est sérieux! Ah ouais, on a tous pris notre douche. Ce qu'elle nous fait, elle. Ah oui, elle jette son machin en plastique. Ah ouais, j'avoue, un vrai cheval au galop! Hein. Hein, non, plutôt dit un poney! Un poney! Petit poney! Petit poney! Tout ça pour dire qu'on a enfin. On a attendu le coucher de soleil. Voilà, ça y est, ça et on finit. On a une saucée. Mais non, ils croient qu'il fait une saucée là-bas. Mais non, c'est du vent. On va pas traîner non plus. Mais. Voilà, voilà. Allez, on se retape la route parce que mine de rien, il y avait quoi? Il y avait bien. Il y avait bien 10 minutes 5 minutes oh, un quart d'heure. Ouais, peut-être voilà. Un quart d'heure. Oh, on a bien marché quand même, on a marché vite. Ouais, on va déjà retaper ça à monter. Allez, au lit, bonne nuit! Et à bientôt dans une prochaine vidéo! Salut!